Excusez-moi, c'est votre voiture ? Oui, c'est ma voiture. C'est quoi comme voiture ? C'est la nouvelle Mégane GT. Mégane GT ? Ah ouais ! Et c'est quoi comme moteur là-dedans alors ? C'est le 1,6 litre TCE 205. 205 chevaux ? Ah bah ils ont fait pareil que la... Ma 308 GT, 205 chevaux aussi. La différence, c'est que la vôtre, bleu gendarmerie, c'est moyen-moyen quand même. Hein. Moi, le blanc, je trouve que ça fait plutôt utilitaire sur votre véhicule. Un utilitaire ? Est-ce que vous êtes en train de dire que ma voiture ressemble à un utilitaire ? Vous avez déjà vu un utilitaire avec des jantes de 18 pouces, des sorties d'échappement, un paquet de toit ? Non mais... Regardez mon véhicule de gendarmerie, il a des roues de 18 pouces, il a des monogrammes Renault Sport, venez voir à l'avant. Il a une calandre spécifique avec, on dirait, des fléchettes. Et sur les côtés, ça ressemble à des missiles. Et encore, vous n'avez pas vu l'intérieur. Ouais, c'est vrai qu'on est bien installé. Les sièges maintiennent bien et... Et encore, vous n'avez pas tout vu. Il y a l'affichage tête haute, instrumentation 100% digitale et interface tactile de 8,7 pouces. Il n'y a pas ça dans votre 308. Ouais, peut-être, c'est vrai, mais je trouve que la mienne fait quand même plus sport. Alors, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, ce petit volant sport, j'aime bien. Ouais. Mais par contre, je vois pas du tout les compteurs. Les compteurs, ils sont face de vous, les compteurs. Écoutez, j'essaie de régler le volant, je vois rien du tout. Mais si, on les voit les compteurs, puis il n'y a pas que ça, mais regardez, regardez l'ambiance sportive, les surpiqûres, une vraie boîte méca, vous n'avez pas ça, vous ? Non, on est quand même bien, puis la qualité est vraiment au top, il n'y a pas à dire, cette 308 GT est quand même plus sportive que la vôtre. Bon alors, on est d'accord pour dire quand même que la mienne est quand même beaucoup mieux. Surtout que je l'ai amené sur circuit la semaine dernière, je vous raconte pas le grip qu'elle a cette voiture, c'est impressionnant. C'est vraiment pas une légende ce qu'on dit sur le châssis Peugeot. Hein. C'est vrai que ça doit être pas mal le châssis Peugeot, moi j'ai pas encore eu le temps d'aller sur circuit, mais il y a une chose que je vais essayer, c'est le châssis avec les 4 roues directrices. Non, vous voulez dire les 4 roues motrices ? Ah non, les 4 roues directrices. Le four control de Renault. Et il est loin votre circuit ?